Hey tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez beaucoup je pense, parce que la partie 1 vous a plu du feu de dieu. Du coup c'est la partie 2 du balcon. Et le balcon est... En fait on a, pendant le confinement on a pu l'aménager un peu avec tout ce qu'on nous a donné et tout. On a des améliorations à faire et du coup c'est les améliorations qu'on va faire dans cette vidéo. Il fait pas beau. En 10 minutes max, il pleut. On va vous montrer le avant et le après déco. Et on a des trucs à ranger, à monter. Voilà, voilà. Lucas et Lola, les bricoleurs et les décorateurs sont dans la place. Première étape, on va faire de la place, cette table là. Elle nous prend trop de place. Beaucoup trop grande. Elle prend trop de place. C'est pas possible. On va plier cette table et on va la mettre dans la voiture de Lucas pour la rendre à ma mère. Vous voyez bien, on met le robot aspirateur sur le gazon. Mais non, on n'a pas d'aspirateur, c'est hyper cher. Non, non, mais on est obligé de passer l'aspi là. On fait passer, on met Roby parce qu'on n'a pas le choix parce que les pigeons ils ont tout pourri. Bref, si vous nous suivez pas sur Instagram, ben, vous devriez nous suivre parce qu'en fait on a des histoires tous les jours avec les pigeons. Notre story Instagram c'est Netflix, une émission sur les pigeons qui nous font chier et comment on fait pour essayer de les enlever. On a essayé les CD, on a essayé les épouvantails. Là on va essayer les moulins avant parce qu'on m'a dit que ça marchait. On va finir par vraiment mettre un filet pour qu'ils viennent. Électrique. Ouais, électrique. On va les taser en fait. Je vais la nettoyer, je vais descendre les chaises et on descendra la table à deux. T'as toujours le beau rôle toi. Mais non. Bah si. Bah tu crois qu'avec mes petits bras je vais porter les chaises. Nettoyage parce qu'avec le pollen elle se pourrit cette nappe. Je vous jure tous les jours on la nettoie et tous les jours elle est pourrie, dégueulasse. C'est le pollen. Alors ça, je sais pas comment ça marche. Comment ça se plie? Ah ouais, ok. J'ai peur qu'elle me fasse mal. Attention. Ok. C'est bon, elle est pliée. Ça va être sympa à descendre ça. Comme vous pouvez voir, il y a plein de place, mais la moquette elle est super sale. Il y a les pigeons qui sont venus mettre plein de miettes, il y a des feuilles et tout. Du coup, on aimerait bien faire passer notre robot aspirateur là. Faut que j'enlève les petits trucs qui traînent. Bon, alors là, on va faire passer notre robot. La moquette elle est pourrie et on lui a mis une protection pour pas qu'il aille dans le coin là-bas. Tu l'envoies? Oh, il aspire tout! Regardez comment il a trop bien nettoyé. Il a trop bien nettoyé, il est passé 100 fois. Et là on va faire quoi Lucas? El étagerio. On va monter cette chose là. J'espère que ça va être cool. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est écrit en chinois, on va pas comprendre. Risque de blessure grave ou mortelle en cas de basculement du meuble. Ah, c'est sympa. Il faut le fixer au mur de façon permanente avec des pinces. Bébé, on a une bêtise. Est-ce qu'on a des trucs de fixation? On va venir comme ça et puis c'est tout. Non mais c'est écrit risque de blessure grave ou mortelle hein. C'est pas hyper, hyper cool. C'est un peu dangereux de faire son balcon, je pensais pas. Bon alors comme ça il faut mettre les chouchous sur les barres. Regardez, c'est des dessins. Il faut prendre les barres comme ça. Ça bon. C'est bon, j'ai fini un bout. Ok. Je te tue pas au passage. Ils te disent oh, mettez les chouchous et après ils te disent bon ben voilà, votre meuble est terminé. Moi je vais vous faire un petit unboxing de tout ce qu'on a acheté. Pour la farfouille on a acheté des coussins comme ça pour que les gens ils s'assoient par terre parce qu'on a une table ronde et pour pas que les gens ils s'assoient par terre sur la moquette. On a pris deux comme ça, en plus j'adore la couleur, on les a payés 10€ chacun. Ensuite toujours à la farfouille on a acheté un gros coussin, celui-là il nous a coûté 20€. Mais regardez comment il est trop beau, il est trop gros. On a une sorte de pouf pour que les gens ils s'assoient dessus. On va le mettre par terre et ça va être trop cool. Ça va être trop cocooning. Après on a pris une guirlande, vous voyez les guirlandes avec des boules. Le paquet est fracassé. J'espère que ça marche. Et à la guirlande, je crois qu'on a payé ça 10€. J'espère que ça marche parce que sinon ça va pas le faire. Et pour finir on a pris un truc trop mignon. C'est des petites ampoules en fait qui font lampes. Regardez, pareil ça marche aussi avec le soleil. Bon bah ça a avancé quand même. T'as presque fini non? J'ai peur que ce soit pas droit. Pourquoi ce serait pas droit? Bon bah écoutez, c'est monté. Est-ce que ça tient debout? Alors, c'est pas mal, non? Le test de la couche d'eau. Ça coule pas? Et tu le mets où l'eau? Tiens, il est celui-là. J'aime bien regarder et rien faire. Tu mets, s'il te plaît, ça glisse, il y a des putains de pots partout. C'est bon, j'ai tiens un peu. Vraiment, c'était pas ce que j'attendais. Elle est partie, c'est le voisin. Oui. Voilà,
j'ai un truc. Je suis pas du tout utile. Ouais. Prends la balayette et fous dans le trou, s'il te plaît. Tu peux faire. Non. Moi, ça va. Il y a des bébêtes. Arrête. Je te jure, il y avait une bête. Non, il va nettoyer. J'ai peur, il y a des bêtes. Ah non, pas comme tu vois, ça. Comme ça c'est pas possible, non, moi je le mettrais en travers. Non, t'as raison. C'était mieux tout à l'heure. Non, comme ça c'est grave cool. Pas tout en haut, au milieu. Alors comme ça, si l'étagère tombe, nous avons les plantes qui tombent ainsi que l'étagère. Non, non, ça fait juste. C'est bien comme moi, ça. Moi je fais ça parce que ça dépasse. Ça fait de la merde. En fait, il faudrait qu'on trouve des beaux cache-pots parce que vous voyez, ils sont pas sortis. Et en dessous, bah, c'est, du coup, c'est notre rangement. Non, moi je trouve ça, même le sac et tout, ça me choque pas du tout. Mais... Non. Les chaises, elles s'appellent Tardo, elles viennent de chez Ikea. J'ai peur de forcer de casser. Moi j'ai peur de forcer de me faire mal. Ah c'est bon, voilà, c'est tout, regarde. Hop, j'ai comme les autres sauf qu'elles sont... Voilà, j'ai réussi en premier, j'ai gagné. Alors, là il y a un petit montage. Il y a un petit nœud. En gros, il faut que tu m'aides, je pense. Oui, mais regarde au milieu, t'as enlevé ça. Mais oui, ça c'est l'étape 2, t'as vu, tu vas toujours trop vite. Elle est belle cette table. On est bien. Ah non, j'arrive. Tu veux du thé, mon amour? Ah oui, je veux bien. Allez. C'est super beau. Oh, il est trop chaud. Oh, mais c'est trop beau. Regardez, j'ai rajouté des petites fleurs, on dirait qu'on est au restaurant. Allez, on continue, c'est pas fini. Oh, bébé. Ouais. On le met où, il est en dehors de la manche. On le mettra dans la salle de bain, on va trouver une place. En gros, il nous restait des chutes de gazon synthétique de la dernière fois, du coup, on a décidé de rajouter ici. Même si c'est plié, bah, ça va se déplier. Avec on voit que c'est pas la même couleur. Hein. Oui, mais pourtant, c'est la même chute que. Ouais, je sais. Et là, on va mettre une plante, quoi. Enfin, quand on aura une plante. Alors là, tu vois, ici, je vois bien un petit meuble pour poser la plante. J'ai vraiment, il nous en faut un. Non, mais un petit meuble tout petit. Ou alors, on le met les gens là. Mais il nous faut un truc pour poser la planche, on va pas la poser sur cette table. Bon, alors maintenant la guirlande comme ça, moi j'aimerais bien la mettre sur au-dessus du canapé. Ouais, c'est sympa, mais il faut vraiment la mettre sur les. Après, je vois qu'il y a un melon fil, donc à mon avis, on va pouvoir. Ouais. Mais. Ouais, parce que sur le canapé, il y a vraiment jamais ça. Non, mais on peut la mettre. On peut la mettre là. Ouais, voilà. Non, elle va. Alors. C'est trop mignon. C'est un sapin de Noël en fait. Ouch! Dites-nous si les coussins vous trouvez que ça va. Moi j'ai l'impression que c'est pas une bonne matière. Mais on verra bien. Là, faut mettre une grosse plante. Ouais, on va mettre une grosse plante, genre un coco. Non, pas un cocotier, un palmier ou je sais pas ce qu'on va mettre encore. Celui-là, on le met. Ouais. Oh, c'est trop cool. Et hop. Tada. Oh, j'ai trop hâte de nous voir avec nos potes là, comme ça. Ou alors on en met un de chaque côté. Le gros coussin ici là. Oh, c'est trop cool. Oh, je suis trop contente. Ouais. Il faudra aussi qu'on mette plein de plantes, il manque plein de plantes là. Là, concrètement, ce qui nous manque, c'est les cache-pots pour les plantes. Une grosse plante dans le coin. Une autre là-bas. Il nous manque encore un truc, j'ai oublié. Non. Bah moi je me rappelle, mais je suis pas d'accord avec toi. Donc. C'est quoi? Le meuble pour la peinture. Ah ouais, mais si. J'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Dites-nous quelle plante on peut mettre, parce que bah, on n'a pas d'idée de plante. Un palmier, ouais, c'est super cher. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, un commentaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.